voilà, de faire ce travail, d'aller convaincre des gens d'aller voter. Et moi, je pense que c'est important. Mais moi, juste quand je pense à Macron, quand je pense à l'extrême droite, juste quand je pense à ceux qui sont au pouvoir, c'est une jubilation de me dire qu'il faut aller voter, qu'il faut les battre. Quand je vois les effets à l'étranger, le New York Times qui dit qu'il se passe quelque chose en France. Nous savons qu'il se passe quelque chose en France. C'est indéniable qu'il se passe quelque chose en France. Et en même temps, aller prendre son bâton de pèlerin et dire aux gens « Allez voter !» Quand moi, je sais, quand moi, la première, je sais que je vais être déçue. Parce que moi, je le sais que je vais être déçue. Moi, je le sais. Et je le sais depuis longtemps. Et je l'ai intégré que je vais être déçue. C'est pour ça, d'ailleurs, que lorsque je serai trahie, j'en aurai rien à foutre, d'ailleurs. Parce que moi, je sais que je vais être trahie. Parce que Mélenchon et la NUPES, c'est pas le problème de Mélenchon. Parce que moi, je pense que Mélenchon est un grand homme politique. Il a fait un truc de ouf. Mais ce n'est qu'un homme. Il ne peut pas faire plus que ça. Il est en train de nous faire. Possible. C'est le maximum qu'il puisse faire. Mais donc, parce que ce n'est qu'un homme, parce qu'il n'a que la NUPES avec lui, pas d'appareil, pas d'entrée dans l'état profond, pas le soutien de plein de milieux qui comptent et qui ne le soutiendront pas. Parce qu'il a une adversité de dingue. Je veux dire, les classes dirigeantes là, je veux dire, faut se mettre dans leur tête. Là, ils le voient comme une espèce de bolchevique. Là, ils attendent, si par exemple demain il a le pouvoir, mais qu'est-ce qu'ils vont lui mettre comme bâton dans les roues pour le dégager. Donc, vous voyez dans quelle situation on est. Moi, je sais qu'il ne pourra pas mener à bien son programme. Moi, je sais qu'en fait, il va décevoir. Donc, en fait, ils ont raison. Ils ont raison d'anticiper ça et de ne pas aller voter. Mais en même temps, il faut quand même y aller. Donc, on est quand même... C'est quand même hyper... On est d'accord, hein. C'est compliqué, la situation de Marie-Colonel. C'est compliqué de ouf. Tout le monde a dit « Oui, maman !»